Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Vidéo courrier, voilà, le facteur vient de passer et j'ai donc reçu deux courriers aujourd'hui. Et bon, et Fifi commence bien sûr à m'embêter, comme d'habitude. Alors, le premier courrier que j'ai reçu, c'est pour un échange d'ATC que j'ai fait avec Dorine. Donc, sa chaîne, c'est Dorine Crystal. Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous alliez lui rendre visite. Elle fait des jolies choses. Donc elle avait fait une vidéo où elle proposait des ATC qu'elle souhaitait échanger avec d'autres ATC bien sûr. Et donc j'avais choisi une de ces ATC. Et moi, j'en ai envoyé une qui est partie que ce matin. Alors, Dorine, si tu passes par là, ne t'inquiète pas, la tienne est partie que ce matin. Parce que bon, moi, ici, là où j'habite, je n'envoie jamais de courrier ni de colis, et encore moins de colis. Quand ça tombe un week-end, quand ça tombe un jour de fête. Alors là, ça tombait week-end, pont et fête. Donc, ce n'est parti que ce matin. Parce que ici il y a toujours du trafic. Ici c'est le centre de tri directement, et donc j'ai aucune confiance en eux, et donc j'ai préféré te l'envoyer ce matin. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver chez toi, donc tu t'inquiètes pas. Voilà, donc donc voilà. Donc voilà, elle m'a envoyé donc son ATC que j'avais choisi. Donc, elle me l'a mis dans une petite carte. Voilà qu'elle a fait. Bon, Fifi, s'il te plaît, tu voudrais me... Elle ne veut pas que je la montre. Donc, avec des papillons. Elle sait que j'aime les papillons. Et donc, il y avait plusieurs choix. Je ne sais plus les différents modèles qu'il y avait. Je ne sais plus. Vous remarquez hein, que je perds la boule hein, de plus en plus. Bon, enfin, je sais que dans les ATC qu'elle montrait, il y avait le style vintage. Et vous savez que c'est un style que j'aime particulièrement avec le shabby et le steampunk. Donc bien sûr j'avais choisi un ATC vintage. Donc voilà son ATC vintage que j'avais choisi, que j'aime beaucoup avec le petit oiseau, la cage. Et regardez ce qu'elle me fait, mais elle ne veut pas que je montre. Elle veut que je la montre. Mais non, je montrerai l'ATC. Voilà. Voilà. Avec également un petit embellissement vintage d'action. Voilà, donc derrière le thème bien sûr c'est vintage, et elle m'a mis ses coordonnées. Donc c'est un ATC qu'elle avait fait en janvier. Voilà, donc elle m'a dans le peu, la petite carte, elle me perturbe Fifi, elle m'a marqué coucou Edith, j'espère que tu vas bien et c'est avec plaisir que je t'envoie l'ATC que tu as choisi. À bientôt, Dorine Crystal. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais vous mettre en barre d'infos je sais plus si je vous l'ai dit, mais enfin, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de sa chaîne pour que ça, si vous ne la connaissez pas encore, pour que vous alliez lui rendre visite. Voilà, voilà, voilà. Donc merci beaucoup. Et du coup, je les avais vus dans ta vidéo, mais je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ton ATC, du coup, en vrai. Il va rejoindre les autres ATC que j'ai déjà. La collection commence à grandir. Ensuite, j'ai reçu donc un petit envoi de Christelle Abio. Voilà. Alors, Fifi, tu pourrais bouger tes grosses fesses, s'il te plaît. Non, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Va voir mes copains. Merci. Donc, il m'a envoyé des petites choses, voilà. D'abord, des tamponnages de Gorgus, que j'adore. Fifi, je vais te mordre une oreille. Alors, un petit tamponnage, voilà, que je vais coloriser, qui vont être très jolis. T'es chiant. Excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais t'es chiante. Oh. Ils ont été sages tous les trois là pendant une heure et demie, parce que je viens de faire tout mon ménage. D'ailleurs, je suis morte, j'en peux plus. J'ai dû m'asseoir plusieurs fois. Quand je fais le ménage, ben, je suis claquée.
C'est pour ça d'ailleurs que je peux pas reprendre encore le boulot. J'arriverai pas. Là, c'est quand hier, ouais, lundi, je suis allée voir. Non, avant-hier. Je suis allée voir pour mon renouvellement, pour mon arrêt de travail, mais c'était pas mon docteur, c'était sa collaboratrice. Et sa question stupide, alors en sachant que j'ai une fibromyalgie, vous pensez reprendre le boulot quand? Ah ah ah, petite rigolote. Mais bon, enfin. En étant auxiliaire de vie, ouais, bien sûr. Bon, enfin, je voudrais bien, mais je ne peux point. Voilà, comme dirait Annie Cordy. Alors, toutes les petites gorgues que je vais coloriser sont toutes mignonnes. Voilà. Ici, elle m'a fait un genre de un petit marque-page, on va dire. Pareil avec une gorgue. Ah, il y a une petite perle qui était partie, que j'ai recollée tout de suite. Voilà. Tout mignon, j'aime beaucoup avec le petit chat. Regardez, elle a mis des petites perles pour faire ses petits yeux. Un petit ATC encore, et ouais, super. Je suis contente maintenant de recevoir des ATC avec marqué 1er mai. Voilà, tout mignon avec le papillon, le chat, tout ce que j'aime. Et donc, c'est le titre, c'est le muguet. Voilà, et donc elle l'a fait le 21 avril et c'est le 2 sur 6. Voilà. Il est tout mignon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pareil, il va rejoindre la collection. Et là, elle m'a fait une petite carte, pareil, marquée 1er mai avec du muguet. Donc derrière, j'aime bien sur ces choses, elle a un petit tampon 100% fait main. J'ai pas ce tampon, j'aimerais bien le trouver. À l'occasion, dis-moi où tu l'as trouvé. J'aimerais bien trouver. Alors, je vais tirer le petit ruban pour ouvrir la carte. Donc toujours pareil avec le petit chat. Hein. Les fifilles. Les fifilles. Edith, nous te souhaitons un excellent 1er mai et que ces quelques brins de muguet vous portent bonheur, vous portent bonheur à tous les deux. Bisous à tes poilus, une grande caresse, câlin, fifille. Bisous, Christelle et Madeleine. Donc, c'est sa maman. Donc, sur sa chaîne YouTube, c'est Christelle Madeleine à bio. Voilà. Et elle a mis un tampon de muguet. Il est super beau ce tampon. Voilà. Bah écoute, écoutez Christelle et Madeleine, je vous souhaite, bon malgré que le 1er mai est passé, je vous souhaite à tous les deux également plein de bonheur hein, pour l'année. Et c'est vrai que bon, moi j'ai pas envoyé, j'ai pas fait de carte pour personne par manque de temps. Mais là, bon, ça va commencer à se calmer là. Donc je vais commencer à pouvoir me remettre un peu à jour. Surtout à jour parce que là, je suis en train de terminer. Alors Stéphanie, si tu passes par là, j'ai presque terminé ton swap, le swap de Pâques. Oui, je suis pas en retard, hein, non. Pas du tout. La fille qui n'est pas en retard. Je suis en train de terminer le swap de Pâques. Et j'ai d'ailleurs une administratrice de mon groupe qui veut mettre en place un swap. Donc je lui ai dit ok hein, qu'elle le fasse. Mais j'ai dit là, pour une fois, moi je ne participerai pas parce que non, là il faut que je me remette à jour. Hein. Donc voilà. Alors Christelle, Madeleine, Dorine, un grand grand merci pour vos envois, ça me fait un grand plaisir. Bon, Dorine c'était prévu, hein. Christelle et Madeleine, oui Christelle, c'est bien ce que je dis. C'était pas prévu, mais ça me fait énormément plaisir. Je dois vous envoyer
une page pour parce que tu fais le carnet d'amitié, qui est d'ailleurs une super idée. Donc ça, je vais faire ça cette semaine ou ce week-end. Donc, mais bon, tu sais aussi. De toute façon, maintenant les filles vont commencer à être, à avoir l'habitude avec moi. Hein, je suis toujours à la bourre sur mes créations. Mais ça arrive toujours. Voilà. Donc, je ferai la page là bientôt. Et je te l'envoie le plus rapidement possible. Alors, je vais profiter. Je pense que je ne vous ai pas montré dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo. J'ai fait deux cartes qui sont maintenant dans ma boutique. Donc, ma boutique est dans. C'est un groupe qui est sur Facebook. Avant, elle était sur. Comment ça s'appelle? Je perds la boule, mais je crois que c'est les médicaments qui me font ça. Était sur quoi? Aide-moi, Fifi. Bon, je sais plus. Vous savez, les boutiques où on paye un pourcentage sur nos ventes, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin, soit. Donc, je l'ai arrêté, cette boutique-là, parce que, bah, en fin de compte, je payais plus de pourcentage que ce que je gagnais. Donc, j'ai dit, stop, on arrête, hein. C'est pas la peine que je travaille pour eux. Donc j'ai un groupe sur Facebook qui est de ma boutique. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai bien remis le lien en barre d'infos. Donc mes deux dernières cartes sont dans ma boutique. Et je pense que je ne vous les avais pas montrées. Donc voilà. Alors là, elles sont déjà sous blister, hein, pour ne pas les abîmer. Donc vous les avez peut-être déjà vues. Donc, oh là là, je bégaye en plus. Sur Facebook, pour celles qui ont mon Facebook, ma page, et sur mon Instagram. Donc ça, c'était une carte de joyeux anniversaire, voilà, que j'ai faite avec les nouveaux. C'est tellement le bordel sur ma table. Voilà, vous voyez, les nouveaux. Classeur d'embossage de chez Action, voilà. Donc j'ai celui-là, donc celui-là est déballé, voilà. Donc c'est celui qui allait avec ça. Les tampons sont défaits, je les ai pas encore rangés, mais donc il y avait une petite fleur. Il y avait un witch love avec, il faut que je range. Et il y avait un autre truc avec qui est quelque part. Bon, je ne sais plus. Voilà, ça c'est le. Oui, ah ben il est dessus. Et il y avait un petit carré comme ça. Voilà, d'ailleurs, ben, je vous montre ce que j'ai trouvé, que j'ai pris. Hein. J'en ai pas pris beaucoup. Vous savez que maintenant chez Action, j'achète plus grand-chose. Donc j'ai pris celui-là également. Voilà, donc il y a, parce qu'il y avait le petit papillon. Il y a Bitter Together, voilà, et puis un petit carré. Donc ça fait des petits losanges là. Et j'ai pris celui-là. Voilà. Vous voyez. Donc je sais plus combien j'ai payé. C'est pas, ils sont pas chers, bah, comme d'hab, de toute façon. Donc Mac Today Grind et un tampon poste et le petit carré également. Voilà. Donc j'avais fait avec ça. Donc celle-ci. Voyez. Donc les fleurs, si vous allez sur mon Instagram ou sur mon Facebook, vous verrez. J'explique comment je les ai fait. Elles sont faites. Donc c'est des un tamponnage bien sûr. Je les ai embossées avec la poudre dorée, voilà, de chez Inks, non, Easy Inks. Et je les ai colorisées avec, oh, bouge, avec les feutres à alcool de chez Action. Et je les ai en plus fait pailleter avec le pinceau à paillettes, The Wings of Stella Brush. Voilà.
Donc là, sur la vidéo, je sais pas si vous verrez bien, si ça brille pas, je sais pas. Voilà. Et les petits papillons, c'est pas des papillons qui ont été faits avec comment? Avec la Big Shot. C'est les petits papillons, vous voyez, que j'avais acheté pour mon mariage. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Que j'ai ancré complètement et que j'ai embossé. Voilà, que j'ai embossé en doré également. Voilà. Voilà, et donc au milieu, j'ai fait un tamponnage joyeux anniversaire. Donc ça, c'est un tampon que j'ai eu dans une revue française que je n'ai pas sous la main, donc je ne peux pas vous la montrer. Voilà. Donc ça, c'est une carte qu'on retrouve dans ma boutique, bien sûr. Et j'ai fait également celle-ci. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Voilà. Donc pareil, le love. Bah celle-là, je crois, je pense vous l'avoir montré. Le love a été pailleté avec le stylo, hein, le stylo brush. Voilà. Ça, c'est des papillons Big Shot, mais c'est des papillons qu'on m'avait donné lors d'échange ou qu'on m'avait envoyé comme ça. Voilà. Ouais, celle-là, je crois que vous l'aviez vue parce que je. Ou alors. Ah, ben non, je vous avais fait un tuto sur celle-là, je crois. Ouais, celle-là, vous l'aviez vue, je crois. Voilà. Donc, celle-là est également dans ma boutique. Voilà. Mais bon, il n'y a pas grand monde dans ma boutique. Mais bon, c'est vrai que je connais beaucoup de personnes qui savent faire des cartes. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon. Donc voilà, les nouvelles du jour. Donc encore un grand merci Christelle, Dorine et Madeleine pour vos envois. Ça me fait énormément plaisir. Là, aujourd'hui, je vais faire je ne sais pas quoi. Parce que là, mon chouchou rentre à 3h. Après, on doit aller faire une course. Bon, il est que 11h30. J'en ai déjà un derrière moi, là, le petit rouquin qui réclame sa gamelle, mais la gamelle, c'est à midi. Il est que 11h30, donc bon, c'est pas maintenant, la gamelle. Hein? La Fifi, là, regardez, la Fifi. Hein, Fifi? On dit qu'on ne te voit pas sur la vidéo. Regarde. Tu veux pas te montrer? Tiens, la maman. Tiens, maman. Peux pas venir. Voilà, donc bah, je vais refaire des cartes. Stéphanie, je termine ton swap. Il part très très bientôt, donc tu t'affoles pas, hein. De toute façon tu me connais, tu sais que ça va partir. Puis voilà. Là j'attends mes photos de mariage. Je les ai fait développer. Chut. On arrête de grogner. J'attends mes photos de mariage, donc je vais pouvoir bientôt attaquer l'album aussi. Et puis voilà. On m'a demandé également de refaire une petite explication sur les sketchs et sur les albums de page 30-30, donc je ferai. Et puis voilà. Donc si vous avez des demandes particulières, bah, n'hésitez pas, hein, vous me les faites en barre d'infos ou alors si vous me les demandez sur Facebook et si je peux le faire, je le ferai sans problème. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais à tous d'énormes bisous. J'espère que le soleil revient un petit peu chez vous, nous dans le nord il est là mais bon il fait froid aussi. Aïe, Fifi qui me mord. Mais bon, le soleil va bientôt revenir. C'est le mois de mai. C'est bientôt l'été. C'est bientôt les vacances. Enfin, pas pour moi parce que je ne pars pas en vacances. Mais voilà. Allez, on y va. On dit au revoir, Fifi. Fifi, tu veux dire au revoir? Non? Toi, le rouquin, tu veux dire au revoir? Oh, pardon, oh maman, elle a fait mal. C'est vrai. Oh, regarde. Dis au revoir. Dis au revoir à la caméra.
Alors lui, c'est une pile électrique. Maman, t'as fait mal. Oh, c'est une vilaine maman. Oh, mais tu l'aimes. Oh, ouais, il aime sa maman quand même. Y'a voir. Oui, tu vois. Ça, c'est Jerry, la pile électrique. Jerry, la pile électrique. Ouais. Allez, hop, on va le redescendre. Allez, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.